Et bien souvent, je dis merci à tout le monde. Je veux rajouter une petite chose. Et puis ce remerciement, je vais le mettre en début de vidéo, comme ça vous allez bien entendre. Je souhaite remercier plus profond de mon cœur mon fils Ryan qui est juste derrière la caméra. Voilà, il est en train de rougir, mais voilà, il est toujours au pied de l'arbre à faire mon ange gardien s'il m'arrivait quoi que ce soit pendant mes tournages. Et je souhaite au travers cette vidéo de le remercier et voilà. Bonjour à tous, je vais vous présenter trois appareils. Le premier appareil, c'est le Cric CT qui permet, quand vous êtes en SRT, de pouvoir faire des mouflages pour faire des retours de bout de branche. Et en plus, il y a des possibilités aussi de faire remonter du matériel. Bon, cette partie-là, je vais l'exclure de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse de cet appareil, c'est surtout pouvoir faire des retours mouflés avec cet appareil pour revenir d'un bout de branche. Je vais aussi par la même occasion tester le bloqueur de longe Notch. C'est le Glide Rope Grab. J'espère que la prononciation est bonne. Et je vous ferai voir une petite astuce. Si vous achetez ce produit-là, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi réduire la cam, enlever une cam qui a tendance à gêner quand on veut mettre du mou sur la longe. Donc moi je l'ai fait, je vous ferai voir la petite astuce que j'ai captée sur le site. Donc on va tester ce produit-là aussi. Alors, je voulais aussi vous présenter dans cette vidéo, donc le troisième point que je vais vous présenter, c'est ce petit accessoire, ça s'appelle le magnet de chez Notch, qui vous permet de faire suivre votre dispositif sans vous enquiquiner avec un connecteur un doigt. Initialement, sur le repreneur à l'origine, vous avez une petite patte avec un trou où il faut, avec votre connecteur un doigt de votre torse, à venir ouvrir le connecteur un doigt pour pouvoir prendre le trou, pour pouvoir faire suivre le dispositif. Là, grâce au magnet, le magnet, c'est en deux parties. Vous avez une partie qui reste tout le temps sur le repreneur et une partie qui reste tout le temps sur le torse. Et avec le torse, en fin de compte, ce que vous avez à faire avec le magnet, c'est juste à vous mettre juste à côté de votre repreneur, là où il y a la deuxième partie aimantée, et un aimant très fort qui vous permet sans difficulté venir prendre votre système pour pouvoir faire suivre votre système dans votre ascension. Pour l'enlever, tout simplement, vous avez plus qu'à tirer dessus et ça s'enlève. Redémo, toc, voilà, ça se met sans difficulté. Donc, on va tester le docteur du moment Notch, le glider, grab. Donc, une petite chose, une petite précision sur son utilisation. Là, quand vous vous mettez dans la longe, attention. Si vous cherchez à faire ça, ça ne marchera jamais. Donc vous êtes obligé de poser la paume de la main sur cette partie verte. Donc il y a des modèles qui sont bleus, ben, ça rapporte. Vous posez la paume sur cette partie verte,
vous venez prendre la petite le petit la petite manette là, cherchez mes mots. Donc vous posez la paume de votre main pour cette partie métallique, vous prenez le petit levier ici et même en tension, voilà, posez et vous faites revenir la petite manette vers votre corde. Donc, comme ça, tac, et puis ça libère la corde. Donc il y a une chose que j'ai modifiée, ouais, ça fonctionne bien, contrairement, ouais, ça même surprend, ça peut surprendre. Donc, ouais, ça fonctionne super bien. Et j'ai fait une petite modif sur ce bloqueur de longe, notch. Vous avez une cam à l'intérieur qui rajoute un peu d'épaisseur selon le diamètre de corde. Et moi, au début, quand je l'avais utilisé, voilà, j'ai mis ma corde, ma longe dedans. Et puis, je suis parti essayer de délonger. Mais c'était un enfer, pas possible. J'arrivais pas à délonger. Donc, mettre du mou dans la longe, c'était pas possible. Là, ça se passe super bien. Voilà. Après, c'est un cul de main à peine. Et puis là, je suis vraiment satisfait du produit. C'est bien. Donc l'idée, on va aller sur ce bout de branche là. Donc pour l'ouvrir, on appuie sur le petit bouton et hop, on va tirer la partie noire sur la flasque. Donc on appuie, on tire et hop, ça ouvre le système. Ensuite, pour ouvrir le bloqueur, hop, on tire sur la partie où se trouve la petite lanière juste derrière la flasque du cric. On tire dessus, on ouvre le bloqueur, on le place sur la corde, on repousse. Ensuite, sous le système, on va prendre du mou de corde qu'on va passer dedans comme ceci. Ensuite, ici, j'ai mis en attente un bloqueur pour pouvoir faire suivre le brin tombant de ma corde pour éviter qu'il se retrouve à un endroit carrément en dépôt. Et en fin de compte, ce brin tombant, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser le mouflage pour pouvoir retourner au point de départ. Donc ensuite, je retourne ici, je ferme la flasque. Une fois que la flasque est fermée, le dispositif, on peut très bien se dire hop, on va le repousser un peu. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, on va aller faire notre déplacement sur le bout de branche. On est bien d'accord, on a mis un connecteur pour garder le contact avec le brin tombant de la corde, parce que c'est ici qu'on va tirer pour pouvoir faire notre retour. Donc si on n'a pas cette corde là, du coup le retour, il sera compliqué. Allez, c'est parti, on va faire notre petit au point de départ. Voilà. Et là on voit bien que ma corde reste toujours à mon contact, à part pas en appoint. On va pas avoir 3 à 4 mètres derrière la corde et pas pouvoir la saisir. Donc le mouflage, sinon il ne servirait quasiment à rien. Et une fois qu'on est arrivé, là, ce qu'on fait, on appuie, on ouvre la flasque. Par exemple, il y a un autre exemple aussi que j'ai pas expliqué, c'est que si vous voulez, voilà, vous pouvez le pousser, d'accord, mais si vous voulez le faire revenir, vous tirez la petite lanière et vous faites revenir le cric sur vous sans difficulté. Du coup, ça ouvre le bloqueur pour pouvoir le redescendre. Autant si vous voulez le monter ou le repousser pour éloigner le cric de votre mou, pour faire votre mouflage. Et si vous voulez le rapprocher, hop, rebelote. Ici, on tire la lanière juste derrière, hop, on libère le bloqueur et on referme. Voilà.
Après, si vous voulez le récupérer, tout simplement, on ouvre la flasque, on enlève le brin de corps. Il est toujours dans le connecteur. Voilà. On referme. Puis, voilà. Donc ça, c'est une des méthodes. La deuxième méthode, voilà, pour avoir d'autres images, pour que vous ayez une belle vue de la méthode. Malgré cette belle vue de cette méthode, je ne suis pas du tout fan de cette méthode. Et je vous expliquerai pourquoi. Tout au long justement du processus. Là, je suis sur une grosse charpentière, ouais, qui a son insertion à peu près à un diamètre environ de 50, c'est une grosse charpentière. Donc là, en gros, je suis appuyé, je suis quasiment pas sur ma corde. Donc c'est moyen, cette méthode pour ça. Ça veut dire que si vous êtes en milieu de branche et vous voulez utiliser cette méthode, c'est pas l'une des meilleures. Voilà. En tout cas, c'est pas la meilleure pour celle-ci, à mon goût. Vous posez votre CT, votre cric. Donc, vous prenez du mou juste au-dessus de votre système. Vous allez faire une boucle que vous allez passer comme ceci. Ensuite, vous refermez la flasque du cric. Ensuite, cette boucle, vous allez la ramener vers vous. Vous allez récupérer un connecteur poulie. Si vous avez un connecteur poulie, c'est plus fluide. Et vous allez vous le connecter sur, par exemple, le deuxième point. Hop. Ensuite, vous mettez en tension, vous rechargez. Voilà, tac. Voilà. On y est. Hop, on va tourner légèrement la caméra, histoire de voir vraiment tout le dispositif. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez la boucle et le connecteur poulie que vous avez installé pour faire votre mouflage. L'avantage de cette version, de ce montage-là, c'est que vous n'avez pas besoin de rajouter un connecteur pour garder contact avec la corde sous votre système, parce qu'en fin de compte, l'idée, cette boucle-là remplace en fin de compte le connecteur qui doit rester en contact, votre corde en contact. Donc je vous ai fait voir sur quelques spots l'utilité du cric, donc un système qui vous permet de faire des mouflages. Donc je vous ai fait voir deux méthodes, dont une qui est sécurisée, voilà, qui est sympa. Donc il n'y a pas trop à se poser de questions, faut juste prendre le brin tombant de la corde connecté au harnais pour éviter de l'avoir en déport, la corde. Donc après, je vous ai fait voir une autre méthode avec le connecteur poulie. Donc celle-ci, elle est un peu moins bien, dans le sens que elle est moins sécurisante. Donc sinon, pour parler du produit par lui-même, bah, pour une simplicité du tonnerre, bah, le cric, il est top. Donc on ouvre la flasque, on passe le mou de la corde sur le réa du cric. Voilà, pour le SRT, moi je trouve ça top. Voilà, donc c'est un bon petit produit. Ensuite, je vais passer sur le bloqueur de longe Notch. Donc je vous avais fait voir un peu l'utilité du produit, les avantages et un peu les inconvénients du bloqueur de longe dans l'arbre. Il est moins fluide que le concurrent Art, le positionneur 2. Donc au travers de la vidéo, je vais vous faire voir comment il faut enlever la cam, parce qu'il y a une cam qui se rajoute, qui est à l'origine dans l'appareil. Donc dès que vous introduisez votre corde, vous ne pouvez pas libérer votre corde dès que vous voulez actionner sur le bloqueur de longe.
Donc vous avez du mal. Moi au début je ne comprenais pas avant de faire cette vidéo. Et ensuite je me suis un peu concentré sur ce que Notch préconisait. J'ai vu une petite vidéo. J'ai dit bah justement ça serait bien de faire voir à ceux qui ont acheté l'appareil ou qui ont le désir d'acheter l'appareil, leur faire voir en fin de compte ce qu'il faut faire pour que ça soit plus fluide. Donc il y a un coup de main à prendre. Il y a vraiment une action bien spécifique avec le bloqueur de longe Notch pour pouvoir libérer la corde. Contrairement au positionneur de chez Art. Art, c'est simple. Donc je ne fais pas le comparatif, mais j'en parle. Voilà, donc ça reste un produit qui a une durée de vie, de mémoire, c'est 8 ans. Contrairement à Art, c'est 5 ans. Donc je crois que le bloqueur Notch est moins cher que le Art. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Et alors là, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est le système d'attache sur le repreneur, le magnète. C'est vraiment du tonnerre. J'ai énormément apprécié le concept. L'aimant, il est très très fort. Il y a pas de souci. Donc ça, il vous emmène. Je me suis mis un peu de travers. Donc j'ai fait quelques ascensions. Donc je vais pas non plus passer mon temps sur ce système-là. Donc c'était juste pour vous dire ça existe. Je pense que vous êtes nombreux à savoir qu'il existe. Et moi, pour l'avoir testé, bah, je vous dis que bah, si vous avez les moyens de vous le procurer, n'hésitez pas. C'est un bon produit et c'est bien plus efficace que d'avoir un connecteur à un doigt à ouvrir pour pouvoir prendre le petit trou qu'il y a à l'origine du repreneur. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, on est début août, je vous souhaite bonnes vacances. Moi, je vais me reposer, réfléchir aux prochaines vidéos que je vais vous présenter. Et je vous dis, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à rejoindre ma chaîne pour découvrir les futures vidéos qui vont venir juste après mes vacances. Voilà, je vous dis à très bientôt sur de prochaines vidéos. Salut les gars et les filles. Ciao, ciao.